n'y a pas de souci, hein. Vous allez pas vous perdre. Merci à tous d'être venus et d'avoir bravé le brouillard, comme je disais. On a environ 160 ce matin. Beaucoup de personnes n'ont pas pu venir, parce que c'est des personnes qui, en général, font 40-50 km pour venir. Donc là, avec le brouillard, ils n'ont pas pris la route. Mais ils sont toutes pensées avec nous. Je ne sais pas si vous avez vu les photos dans la salle. On a mis un peu les photos de tous les événements qu'on a fait l'année dernière. Les marches, la Zumba, il y avait un spectacle patoisant. Enfin, on a fait pas mal de petites choses. Grâce à ces événements, en fait, on a pu faire un don de 3000 euros à l'espace Ressources Cancer. Donc je passerai un petit peu le micro à Cynthia tout à l'heure pour vous expliquer justement à quoi a servi cet argent. Donc cette année, on fait encore différentes manifestations. Hier, on était à Bulle, on a fait une Zumba pour les enfants. On a une cinquantaine d'enfants, c'est super, il y a du soleil. On a fait une marche nocturne, 84 personnes, donc on était bien contents aussi. Aujourd'hui, vous avez trois parcours au choix, 3 km, 7 km et 12 km. Tout est fléché, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre. On a refait le tour ce matin, toutes les flèches sont là. Alors il y a juste, vous allez voir quand vous allez revenir dans le centre de Saint-Venant, vous n'avez pas un tout droit, je vous fais faire des petits détours. Alors pourquoi ces petits détours? Parce qu'on a demandé aux commerçants de Saint-Venant de faire une ville rose pendant une semaine. C'est-à-dire que certains des commerçants de Saint-Venant ont joué le jeu de faire une belle vitrine. Donc voilà, le but c'est voilà, il y a des commerçants qui ont joué le jeu, donc je me suis dit tiens, c'est sympa quand même que les marcheurs passent devant et voient un petit peu ce qui a été fait. Voilà, ils ont joué le jeu, donc ce serait bien de les remercier quand même. Monsieur le maire, un petit mot? Vous êtes impeccable. Bon, bah c'est très bien. Donc, je vais laisser la parole quand même, ça m'importe de donner la parole à Cynthia, donc la coordinatrice ici sur l'espace Ressources Cancer de Béthune, à qui on a fait un don de 3000 euros cette année. Donc c'était pour moi important de prendre la parole ce matin, tout simplement pour vous remercier. Remercier l'association Agir Ensemble, Juliette, et à travers elle, remercier tout le monde pour les dons que vous faites, parce que aujourd'hui, au 30 septembre, si vous n'étiez pas là, en fait, on ne pourrait plus proposer de soutien psychologique. Et grâce aux 3000 euros de dons qu'on a eu, on va pouvoir encore, et ça jusqu'à la fin de l'année, proposer des consultations de soutien psychologique aux femmes qui viennent nous voir. Donc merci, vraiment merci beaucoup pour toutes les femmes qu'on accompagne. Donc voilà, à savoir que cette année, en plus des 3000 euros que l'association a reversé à l'URC, on a environ aidé une dizaine de femmes, donc à hauteur de 2000 euros. Donc là, surtout pour les aider, ben, pour acheter leurs prothèses capillaires, des sous-vêtements spéciaux, etc. Donc, comme d'habitude, voilà, on continue à aider les femmes de la région, donc par le biais de l'ERC, mais aussi par les femmes qui, voilà, qui peuvent nous contacter directement et qui ont besoin d'aide. Il n'y a pas de souci, l'association est là pour ça aussi. Eh bien, écoute, on va lancer le départ, je pense. Je crois que j'ai rien oublié.